scheint, als wäre diese Zeit greifbar nahe. Wir hören immer wieder davon. Wir sehen und hören es im Fernsehen und im Kino. Wir lesen davon in Büchern, in Zeitungen und im Internet. Sie sind überall. Sie sind so präsent, als würde diese Zeit in unser Jetzt übergreifen. Doch trotzdem bleibt sie für mich eine Art undefinierbarer Mythos. Als ich zum ersten Mal meine Großeltern von ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg sprechen hörte, wurde mir klar, dass das Greifbarste in der Erinnerung steckt. Denn hier verbergen sich die Gefühle und die Gedanken jedes einzelnen Menschen. Ich reiste im Herzen Frankreichs zu zwei Nachbarsdörfern, von wo meine Großeltern stammen. Saint-Aignan und Noyers. Dazwischen liegt der Fluss Cher, der damals auch Teil der vom Deutschen Reich errichteten Demarkationslinie war und Frankreich in zwei teilte. Auf meiner Reise traf ich auf meine Großeltern und noch mehr Menschen von diesem Ort, die mir Einblick in diese Zeit und ihren Kindheitserinnerungen gaben, die ich so noch nie erfahren habe. Ah, non, 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 vous passerez pas. Hop, venir. Voilà. Mais c'est quand même incroyable d'occuper un territoire aussi grand quand même. Puis, ils sont allés bien au-delà, hein, jusqu'à Moscou. Hein. Il vient de sortir, ça, lui, là. L'instauration de l'État français, donc Pétain. Travail, famille, patrie. Ouais. Marion chantait dans les écoles, hein, Omar a l'adulte chantait aussi. Maréchal. Et alors, nous voilà devant nous, les enfants de la France. Maréchal, nous voilà. Vous apprenez ça, il fallait chanter ça. Hein. Dans toutes les écoles, on chantait ça. Écoles, hein. Ah, ici, ça a été la courte résistance de l'armée française au mois de juin 1940. Et ils ont essayé de résister. Ils ont réussi pendant 24 heures aux Allemands qui arrivaient là-bas à la route qui venait du nord, c'était la route de Blois. Et qui venait pour traverser ici le Cher. Ils ont commencé à tirer de là haut sur Saint-Aignan, au départ, des tirs d'obus, d'artillerie. Et après, il a même tiré un peu sur la tour du château, a été touché. Il château un peu de trois obus. Oui, ah oui. Les soldats qui faisaient cette résistance ayant pris la précaution de faire sauter une arche du pont pour ralentir l'entrée des Allemands dans Saint-Aignan. C'est là qu'ils ont fait le pont en bateau, si tu veux. On l'a utilisé, ce pont-là, pendant quelques jours. Un officier et un soldat qui étaient, je crois, auprès de du canon de 75 ont été tués, puisque à un moment donné, les Allemands ont réussi à envoyer un obus en direction du canon qui était là. Tu te rappelles qu'ils chantaient ? Non. Hein ? Non. Oh, si. Donc ils chantaient. En ville, ils défilaient, ils chantaient bien des fois. Allez, allô. Voilà, je me rappelle moi. Moi, je ne me rappelle pas. Oh. Oh.
ils ont mis des soldats de garde avec des armes ici qui pouvaient surveiller tout l'ensemble de la ville, le passage à cet endroit-là. Donc il y avait quelques soldats qui étaient ici avec leurs fusils et mitrailleuses à monter la garde. Et moi, comme j'habitais juste là-bas, toujours curieux, hein, comme peut l'être un enfant de 9 ans, j'ai dit, tiens, c'est curieux, il y a des soldats là-haut, et moi j'ai monté sur le talus là. Et les soldats qui étaient là, me voyant ici au pied du mur, il y en a un qui m'a jeté, je crois que c'est une tablette de chocolat qui m'est tombée sur la tête. Alors je suis reparti avec ma tablette de chocolat. Mais pour moi, j'étais jeune et tout ça, et ils ont été gentils pour moi. Moi, j'ai... Je le dis pas aux autres parce qu'ils diraient, ben dis donc. Ils ont jugé nécessaire de marquer leur présence par le drapeau trois gammées pour le mettre au balcon ici. Et pour ce faire, il leur fallait un artisan. Pourtant, ce n'était pas bien compliqué pour mettre un drapeau comme ça. Mais ils ont demandé à mon père, qui était artisan sur la place, de venir mettre le drapeau à croix gammée ici, la mairie devenant la commandante tour. Et quand il a eu fini de le mettre, il a craché dessus, peut-être en se cachant de la vue des Allemands pour l'occasion. Une grande partie de tous les Français du Nord, fur et à mesure que les Allemands pénétraient en France, ont fui vers le sud de la France pour ne pas être occupés par les Allemands. Et redoutant les Allemands nazis qui rentraient en France, redoutant d'être tués par tous ces soldats n'importe comment. Et c'est pour ça qu'ils ont fui. Alors évidemment, ils ont descendu dans le sud de la France, mais après l'armistice a été signé, la ligne de démarcation et tout ça. Et après, ils ne pouvaient pas rester parce que ces gens-là, ils avaient leur travail, ils avaient leur maison. Ils ont remonté chez eux et ils sont revenus. Et tous ces réfugiés-là ont fait des convois de voitures de des kilomètres et des kilomètres qui butaient à la ligne de démarcation, qui attendaient d'avoir un laissez-passer pour rejoindre le nord de la France. Saint-Aignan étant au sud du Cher est considéré comme zone libre, et puis au nord du Cher, c'était Annoyé, c'était la zone occupée. Là, les Allemands avaient aménagé comme un petit jardinet, et au milieu, ils avaient planté un grand poteau sur lequel ils montaient et ils descendaient le drapeau. Le matin, on le montait, le soir, on le descendait. Il y avait, je ne sais pas, 5-6 gars qui chantaient quelque chose. Et puis là, ils avaient mis des petits cailloux et au milieu, ils avaient dû dessiner une croix gammée, si j'ai bonne mémoire. Et moi, je voyais ça parce que ma chambre était là-bas derrière. Et c'est vrai que je les entendais bien et je les voyais faire. Et je voyais le drapeau monter ou descendre. Ils sont arrivés des grands gars en moto, bien, bien harnachés, très polis, s'exprimant difficilement, mais quand même, on comprenait. Ils sont rentrés ici en demandant à maman qu'elle leur fasse une omelette très copieuse. Et puis, ils se sont installés. Et mon père, qui était là et qui était un ancien combattant de la guerre de 14-18, leur a dit, alors que vous êtes arrivés, et qu'est-ce que vous pensez de la situation? Et il y en a un qui a répondu, nous, on ne pense pas, le Führer pense pour nous.
Dans 3 semaines, Angleterre caput. Ça demandait un moment. Il est pas là, je crois bien. Ah, ah mais si, il est là. Oh, mais non, ça fait plaisir de toi. Quel plaisir de toi. Dis donc, depuis le temps qu'on s'est pas vu. Oh, oui, ça c'est vrai. C'est bien vrai, toi. Oh, oh. C'est gentil. Je veux pas te déranger, hein, quand même. Tu ne déranges pas, tu es chez toi. Oh, oui, c'est gentil. Tu te rappelles de ce char qui était là, de ce temps qui était devant la propriété Tassin? Ah oui, oui. Bon. Ah oui, oui, ah oui. Tu te rappelles comment il s'appelait? Attends. Moi, je crois que c'était le nom d'un roi de France. Pour moi, c'est même le principal roi de France qui était roi d'Europe, c'est Charlemagne. Eh bien, je crois que tu as tort. Je crois que tu as tort. Pour moi, c'est Vercingétorix. Je ne veux pas te faire un pari parce que tu vas le perdre et je ne voudrais pas t'obliger à m'offrir quelque chose. Mais je pense que c'est Vercingétorix. Alors, ce char, il a été là juste au moment de la débâcle, quand les Français sont partis. Oui. Il est resté là parce qu'il était en panne, tout simplement. Ils sont restés à tripoter là-dedans pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient rien réparer, ils se sont mis à pleurer et à dire qu'il fallait qu'ils s'en aillent et qu'ils laissent ce char là. Mais oui. Ça a été un terrain de jeu formidable pour les jeunes du quartier. Ah, oui. Là, tant que les Allemands étaient à côté, mais ça ne les dérangeait pas. Ils voyaient bien que c'était des gosses qui jouaient. Gamins ne voulaient pas s'en aller avec le char. Moi, j'avais 12 ans, mais s'asseoir dans le char, sur le siège du chauffeur. Tu parles d'un jeu, un jouet. Ah oui, mais on avait l'impression de le produire. Là, on a passé des heures sensationnelles avec ce char. Il y a une chose certaine, pendant la guerre, il y a une chose qui nous séparait bien. C'est déjà, il y a eu la ligne de démarcation. C'était pas de la rigolade. Le Cher, bon... C'est la rivière, ça, on peut savoir nager puis le traverser. Mais la ligne de démarcation, c'était des soldats français d'un côté, ça c'était intéressant, mais les soldats allemands qui laissaient passer que ceux qui voulaient bien. Tous les jours, il fallait préparer notre carnet pour passer. Souvent, ils faisaient signe, hein, nous. Oh. Oui. Parce que moi, je traversais aussi. J'habitais, mais je traversais la ligne aussi. Ben. On allait à l'école à Saint-Aignan. Et des fois, ils faisaient signe comme ça pour nous. Ils n'avaient pas à présenter la carte. Hein. Oui, c'était trop dur. Ils nous connaissaient. Ils nous connaissaient, bien sûr, mais ils ne s'empêchaient pas qu'ils regardaient dans les sacs. Ah oui, dans les sacs, s'il n'y avait pas des lettres. Des lettres. Il y avait des soldats français de l'autre côté, et les soldats français avaient besoin de communiquer avec la zone occupée. Donc on nous a demandé, parce qu'on était des enfants, puis en fait on ne savait pas trop les conséquences, on nous a demandé de passer du courrier. Alors on passait du courrier dans des bottes. Mais sans penser qu'en pédalant, les enveloppes qui étaient dans les bottes, elles avaient tendance à remonter avec le mouvement. Alors, il y avait des fois où c'était tout juste. Hein. Et on se faisait quelquefois contrôler, fallait se faire déshabiller pour montrer qu'on n'avait rien et tout. C'était pas toujours facile. C'est pour ça qu'il y avait des femmes allemandes pour déshabiller les femmes françaises. Le jeudi, il n'y avait pas d'école. Alors, comme j'étais toute seule chez nous, j'allais jouer avec une petite voisine. Et la petite voisine, c'était la voisine des Allemandes. Alors, c'est dans cette maison, cette belle maison, que les femmes allemandes habitaient pendant la guerre. Et elles étaient très gentilles avec nous. On était jeunes, très jeunes. Elles nous faisaient beaucoup de tartines avec du beurre. Ils nous caressaient, eux, si vous voulez. J'ai l'impression qu'eux aussi, ils avaient des enfants. Ils faisaient passer la ligne de démarcation dans des tonneaux,
des gens sont peut-être, je ne me rappelle pas, peut-être des aviateurs qui étaient tombés en France, ou des choses comme ça. Ou des juifs aussi. Le tonnelier enlevait des cercles du tonneau, d'un bout, ouvrait le tonneau, enlevait le couvercle, on mettait un passager dedans, on refermait le tonneau, et on remplissait d'eau, pas tout à fait le plein, mais on mettait de l'eau suffisamment pour que le monsieur ait un peu d'air pour respirer en haut. Et on mettait un bouchon au bas du fût, de façon que si les Allemands demandaient à vérifier ce qu'il y avait dans le fût, il suffisait de tirer un peu le bouchon, vous voyez, c'est de l'eau. Et l'eau sortait, et le passager, quand il était sur Saint-Aignan, après il s'habillait, il était en zone libre. Ah oui, une fois on avait été aux châtaignes, vous savez des châtaignes, vous connaissez? Alors on avait un châtaignier sur Mareuil, et puis on revenait avec un cheval, c'était une carriole, et puis dans tout le derrière de la carriole, il y avait les châtaignes. Mais vous savez, le tépa épluché, il était... Alors, quand il arrive c'était là-bas, au poste frontière, il y a un Allemand qui voit ce tas de machin, il y avait une toile dessus, je ne sais pas, que mon père avait mis. Alors il veut voir ce qu'il y a là-dedans, il passe sa main. Ah ! Ça l'a piqué. Les châtaignes n'étaient pas épluchées, comprenez-vous. C'était piquant. Il a fait un coup. Ah ! On passait tous les jours ici, tous les jours. Beaucoup de rappels, ah oui. C'est beaucoup de souvenirs, oui. Voilà. Et c'est un matin, en allant moi-même, alors là j'avais 8 ans, en allant moi-même garder mes vaches au fond là, de ce petit bois, de cette vallée là, tout à fait là, quand je suis arrivée à midi, parce que le matin, bon, je partais avec mon chien vers 9h, et au fait, je revenais pour midi, quoi. Quand je suis arrivée là à midi, il y avait des militaires avec des fusils, avec tout ça, des jeeps, tout ça, partout, là en arrivant, il y en avait partout. Moi, je ne savais pas que c'était des Allemands. Hein. Parce qu'il y avait quand même des avions qui passaient. Tu vois, donc, ils s'étaient cachés là. Et ils s'étaient cachés dans le petit bois qui est en bas, là-bas. Ils étaient peut-être 200, 250. Pour moi, c'était immense. Hein. Il y en avait partout. J'ai rentré mes vaches dans l'écurie, là-bas. Et puis j'ai été voir mes parents, et puis ben, les Allemands, ils avaient envahi même la maison. Et donc ils étaient de l'autre côté, parce qu'en fait, ils avaient été assez gentils avec nous. Hein. Moi, je me rappelle, ils me donnaient du chewing-gum et tout ça. Et ils tiraient l'eau du puits, le puits, tu vois, il est resté là. Mais alors moi, enfant, ça m'avait marqué, parce que tirer l'eau du puits, on tire en montant. Et ben eux, ils tiraient en descendant, tu vois. Ils n'avaient pas dû avoir beaucoup de puits chez eux à ce moment-là. Hein. Voilà, et puis là, si tu veux... Avant que la guerre se déclare et tout ça, tout le monde ne devait pas avoir une arme chez soi. Ça devait être déclaré. Hein. Et mon père s'est rendu compte que lui et Jean, il s'appelait Jean le voisin, avaient toujours leur arme. Alors une arme, tu vois, donc c'était un fusil de chasse. Hein. Donc il fallait le démonter, tu vois, la crosse mettre dans un truc et tout. Donc il a mis ça dans son pantalon, il a mis ça là. Leur fusil là et tout. Les Allemands dans la maison, s'ils les avaient vus avec ça, c'était mort. Hein. Et ils ont été en face tous les deux, bah, je les revois encore, ça je m'en souviens bien. Et puis en discutant, ils sont allés tous les deux dans cette petite cabane où il y avait des betteraves, parce que c'était protégé pour l'hiver, donc il y avait de la paille, il y avait du bois, il y avait tout ça, tu vois. Alors en discutant, ils sont rentrés là-dedans, les Allemands ne les ont pas suivis là-dedans, ils ont pu enlever leur arme de là, moi ça je le vois faire ça, et les cacher là-dedans. Et puis après, bon, bah, écoute, il n'y avait plus rien à faire, il fallait attendre, mais au moins ils ne trouvaient pas les armes. Après, nous, on est allés à la Maudière là-haut, tous les enfants, hein, ceux d'ici, enfin tes frères et sœurs. Je vais en parler à Yvette, ça s'en souvient. Et puis, puis le lendemain, quand on est revenu, eh ben, il n'y avait plus rien, mais le baguerret brûlait. Ils ont tué les patrons, on n'a jamais su pourquoi.
Et ils ont tué les ouvriers qui étaient là aussi. Eh bien, on voyait les flammes du château qui brûlait. Ils ont même été rechercher un de leurs ouvriers qui était rentré chez lui, qui est 1 kilomètre dans les bois, pour aller le chercher et le fusiller, qui n'avait rien fait du tout non plus, lui, devant sa femme et ses enfants. Quand ils sont arrivés en France et qu'ils sont rentrés en France, non, j'ai jamais eu peur des Allemands. Non, c'était pas... C'est pas des gens qui faisaient peur. Ils ont fait peur en 44. En 44, quand ils partaient. Alors là, on évitait de se mettre sur leur passage. À cet endroit, sans le courage de 2 personnes responsables de Saint-Aignan, probablement que Saint-Aignan aurait été brûlé dans son entier et jeté, toujours pareil, en tant qu'enfant curieux, à proximité, là, peut-être à 15 mètres, 10 mètres de là. Je ne comprenais pas bien ce qu'il se disait. Il y avait le maire de Saint-Aignan et le propriétaire du château, M. Raoul de La Rochemont, le comte, et de 1 ou 2 officiers allemands qui ont négocié avec eux. Des Allemands qui avaient été pris par les maquisards pour essayer de les récupérer contre la ville, sans quoi ils mettaient le feu à la ville de Saint-Aignan. À Noyers, la vie du chemin de fer, elle était permanente. Les gens de Noyers n'étaient pas au courant de tous les trains, de la composition de ces trains. Quand ils mitraillaient les trains, ils étaient avertis sûrement en Angleterre et il arrivait par 2-3 avions, c'était 2-3 en général, hein, et puis allez. Alors ils passaient ici. Alors nous, on se mettait là, derrière les tas de paille, puis on regardait la manœuvre, quoi. Ça nous faisait plaisir, nous, les gamins. Voilà, ouais. Ce jour-là, ils ont bombardé un train qui devait avoir un certain nombre de wagons de munitions. Il y a eu un feu d'artifice, si l'on peut s'exprimer ainsi, parce que c'était pas tellement lumineux, mais c'était bruyant. Il fallait voir le nombre d'explosions qu'il y a eu, c'était quelque chose de phénoménal. Oui. Et il y avait des balles partout, des balles non explosées. Et puis on avait la manie d'enlever la pointe de la balle, de sortir la poudre et puis de la faire brûler. Ça brûlait, ça faisait joli comme tout. Et puis un jour, ben on ne réussissait pas à la sortie, on a pris un marteau. Ça fait boum. Heureusement, la balle n'est pas partie dans la bonne direction. Enfin, si, elle est partie dans la bonne direction parce que... T'es allé faire ça, toi, là-bas? Non, chez moi, on les avait ramassés puis on les avait ramenés à la maison. À Saint-Aignan, tous les hommes valides avaient été réquisitionnés pour dégager la ligne de chemin de fer. Je me souviens pas, ça. Et donc, ils sont allés au lieu où il y a eu le bombardement, et Marcadet avait mis des fûts en perce, prêts à servir, parce que c'était au mois de juillet, il faisait très chaud, et puis les gars, allemands, français, venaient vous rafraîchir, et ils se sont rafraîchis, mais beaucoup rafraîchis. Un peu trop. Ils sont revenus dans un état. Et je me souviens aller voir monter la rue de Saint-Aignan, la rue Constant-Rago, bras dessus, et que les Allemands les avaient suivis. Pas tous, bien sûr, mais ceux qui étaient bien bourrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés. Ils sont montés là, jusque sur la place, et après, ils ont rejoint la terrasse du café ici. Peut-être 4 ou 5 Allemands, ou 3 ou 4 Allemands, et puis le reste des Français qui avaient soi-disant fait le boulot, ils n'avaient rien fait du tout. Tellement ils étaient bourrés.
Eh, mais tiens-toi bien, ça s'est mal terminé, parce qu'à un moment donné, ben, on chantait Lily Carlen, on chantait la Marseillaise, on chantait Ma blonde, veux-tu voir ma blonde, comme à la guerre de 14 et tout ça, et puis à bas la loutre va feu, à bas Hitler et tout ça. Moi, j'étais ici, sur la route, à regarder, j'avais que 11 ans, hein. Ah non, 13 ans, pardon. 13 ans, et puis j'avais sans doute avec moi un ou deux petits copains qui habitaient là, puis on regardait ces hommes qui étaient en train de chanter ensemble, français et allemand. Tout ça, ça allait bien. Puis à un moment donné, il y a, je ne sais plus si c'est Marcel Lambert ou non, à bas la Wehrmacht. Alors là. J'ai compris les Allemands. Alors là, le gars, il dit non, pas à bas la Wehrmacht. Tu vas dire à bas la Wehrmacht. Et mon Marcel Lambert, qui était là, a senti que ça sentait le gras, parce que le gars, il a voulu lui foutre sur la gueule et tout ça, puis il t'a armé, alors que Marcel Lambert n'y était pas. Et mon Marcel Lambert s'est tiré. Et le Bosch, il l'a suivi. Voilà, ils ont couru. Ici, là. Et il l'a suivi jusque sur le milieu de la place, en bas, en face chez nous. Oui. Et il avait une baïonnette dans la main. Et il a couru pour revenir jusqu'ici, ou alors à ce moment-là, il a glissé et il a tombé. Donc l'Allemand qui le suivait a profité de ce qu'il était tombé pour, à ce moment-là, dans la haine et tout ça, vouloir... Hop, s'apprête et il fout le coup de baïonnette au travers du corps. Un autre Bosch qui était un peu moins bourré peut-être et puis un peu plus raisonnable, le suivait. Il prend le bras du gars qui voulait donner le coup de baïonnette et la baïonnette est tombée là, cling, comme ça, ici. Je fais cling comme ça parce que le bruit métallique de cette baïonnette qui est tombée là, ça m'est presque resté dans la tête. Voilà l'histoire du 14 juillet, 14 ou 15 juillet 1944. Bravo. Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst die liebe Marlene, wie einst die liebe Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marlin.